Il y a longtemps que vous faites ce métier ? Et moi, j'ai commencé très jeune. Mes parents le faisaient. Oui. Je peux vous demander votre nom d'abord ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Ordoki. Ordoki ? Oui. Ordoki Asken. Asken, oui. Et... Vous avez commencé avec vos parents ? Oui, très jeune. J'ai commencé à faire ça à l'âge de 10 ans. Papa et maman faisaient ça aussi ? Oui, nous, c'est la quatrième génération. Quatrième génération. Oui. Toujours Asken ? Toujours Asken, oui. Alors, maintenant, je ne sais pas combien de temps, on a espoir avec les petits-fils. Les petits-fils, les fils ou... Qui viennent à l'âge de 10 ans, alors maintenant, on voudrait que... Ce qui les intéresser. Mais c'est pas sûr. Ce serait quand même dommage de laisser un beau métier artisanal comme ça. Oui. Parce que quand même, vous arrivez à gagner votre vie quand même avec ça. Oui, mais il faut travailler en famille. Il faut soit avec sa femme, soit avec son frère, Que ça reste en famille. Moi, je travaille avec ma femme. C'est pas intéressant d'avoir quelqu'un, de payer quelqu'un. On peut pas. Les taxes, les sociétés. On peut pas. On pourrait pas s'en sortir. On pourrait pas s'en sortir. Non, parce que c'est très long pour faire une chistère. Combien de temps ça vous prend pour faire une chistère? Pour faire un yokogami, le petit gars, il faut compter 20 heures. 20 heures de travail? Oui. En effet, pourtant j'ai l'impression que ça va très vite là, parce que vous avez mis ces petits morceaux de fer là en quelques minutes. Oui, c'était déjà préparé avant. Oui, mais après, bien sûr, les morceaux de fer aussi pour les. 20 heures pour ça, et pour un c'est ça, pour un tangan, c'est à peu près pareil. Oui, oui. Il faut 26-27 heures. Hein. Pour un tangan, quoi. Oui, pour un tangan, il faut 26-27 heures. Mais j'ai un peu laissé tomber le gringard. Le gringard, hein. Mais c'est ça, pour parce que. J'ai beaucoup de travail dans le yokogami. Avec quel bois c'est fait ce truc? Toute la carcasse est un châtaignier. C'est du châtaignier. C'est du châtaignier qu'on choisit nous-mêmes. Il faut choisir du très bon châtaignier, qui n'est pas de nœud ni rien. Ouais. Et le tissage, c'est de l'osier. Ah, c'est de l'osier? Oui. Et pour faire prendre la courbe de cette schistère-là, c'est des rejets de pousses, hein, des rejets de pousses qui ont à peu près 6-7 ans. Hein. Ah bon? 6-7 ans, et c'est très souple. Mm-hmm. Alors on lui donne la forme quand le bois est vert. Oh, et on les attache, on fait ça sur des moules, on les attache. Mm-hmm. Et puis après, on les garde au moins 6 mois à sécher. 6 mois à sécher. Au moins, oui. Et quand vous relâchez la corde, il a pris la forme. Quand vous la corde, oui. Le faire, quoi. C'est bien. Alors bien sûr, il y a différentes dimensions, c'est sûr. Il y a différentes catégories de schistera aussi. Il y a 4 sortes de schistera, hein, qui existent dans le monde. Bon, la base, quand même, c'est le yokogami. Yokogami. On appelle aussi le petit gant. Le petit gant. C'est la même chose, yokogami et petit gant. Le petit gant, c'est pareil. Après, il y a le grand gant. Mm-hmm. Celui dont il y a un jour. Voilà, oui. Après, il y a une quinzaine d'années, quand les Espagnols sont arrivés, ils ont fait des frontons, un mur à gauche, mm-hmm. trois murs, un mur à bas, mur à gauche, mur à arrière. Oui, oui. C'est des Hayalai, hein. Hayalai. Ceux qui vont y avoir en Amérique aussi. Oui, oui. Et puis, ça, c'est des Sesta Punta. C'est comme vous voyez, là, oui. Oui, oui. Et puis après, il y a le remonté. La quatrième forme qui c'est là, c'est le remonté, mais le remonté se joue très peu en France. C'est plutôt l'Espagne. C'est plutôt l'Espagne et encore, c'est la Navarre. La Pampelune, hein. Et tout ça. Pampelune. Mais après, ils viennent 4 ou 5 fois en France pour faire des émissions. Des émissions. Mais après, c'est pas très répandu en France. Mm-hmm. Et nous avons l'impression que le yokogami se joue beaucoup plus que les autres... Que le gringam? Oui, quand même. Mais parce que je connais un peu le bac à Biarritz aussi. Le bac joue qu'au gringam. Il ne joue qu'au gringam, c'est ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'adeptes qui jouent. Ah oui, mais ailleurs aussi, en petit gain, il y a beaucoup. Oui, oui. Plutôt dans les villages, peut-être, il y a des petits gains. Aussi, pays joue beaucoup aux petits gains. Aux petits gains, oui, oui. Aigori, Asparen, Ustaritz, tout ça joue aux petits gains. À Tardets. Tardets, beaucoup, beaucoup. Alors, moi,
Je me suis presque spécialisé, si vous voulez, quoi, dans le... Dans le petit gain. Dans le petit gain. Mm-hmm. Je ne fais plus les grands gains. Je trouve qu'il ne... Il joue pas, ouais. Peut-être un ou deux de temps en temps qu'il vient jouer, mais c'est surtout à mes nœuds qu'on joue là-bas. Hein. Mm-hmm. Et les pelotes, qui c'est qui vous fait? Les pelotes, on les reçoit, je ne sais pas qui c'est qui les commande. Il les commande ici à quelqu'un, je ne sais pas vraiment qui, mais enfin. Mm-hmm. Et après ça, vous mettez de la colle ou quelque chose sur ces... Non, c'est juste fait tout tresser. D'où c'est que vient l'origine? J'ai lu dans un livre que l'origine de la chistera venait de... Ça a été commencé par se couvrir par les Italiens. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, c'est son arrière-grand-père qui a inventé ça. C'est vrai? Oui. Enfin, moi, vous savez, ben, je ne suis pas là pour témoigner. Moi, j'ai toujours entendu comme ça. Hein, par, oui. par ma grand-mère, déjà. Mm-hmm. Que c'était le père à ma grand-mère qui avait... Bon, il avait 16 ans. Hein, mm-hmm. Et il n'avait pas d'argent pour s'acheter parce qu'avant on jouait à ça. Ouais. À Choularoua. À Choularoua, justement. On jouait à ça, hein, alors il n'avait pas d'argent pour s'acheter ça. À l'époque, il habitait à la limite de Saint-P et de Saint-Jean-de-Luz. Mm-hmm. Dans la ville de Saint-Jean-de-Luz. Ouais, je connais très bien. Ouais. Et donc il s'était fait faire porter, il s'était fait porter du bois par son frère. Et il avait fait. Machine qui ressemblait à ça. Qui ressemblait à Chistera, enfin, oui, Chistera. Merci beaucoup. Et donc, il avait commencé à jouer avec ça, son frère aussi. Finalement, les joueurs s'étaient intéressés à ça. C'est comme ça que c'est parti? Oui, c'est comme ça que c'est parti. Moi, j'ai toujours entendu ça, hein. Bien sûr, ça date quand même d'il y a au moins 200 ans. 140 ans. 140 ans, oui. Voilà. Alors, à la mairie d'Asquin, parce que il y a plusieurs, hein, plusieurs polémiques sur ces fabrications de Chistera. Mais je crois qu'on est dans le vrai, là, hein, sans lancer des fleurs. Hein, parce à Asquin, où vous avez une. Au secrétariat d'Asquin, à la mairie. Vous avez un poster, là, très belle photo. Les premières photos, je sais, qui ont existé, quoi. Mon arrière-grand-père avec sa femme et ses six filles en train de faire les chistérasques devant l'église, là, vous voyez. Et Pierre Loti en parle dans son livre. Oui, en effet, j'ai lu. Pierre Loti en parle dans son livre, un espèce de bannier. C'était mon arrière-grand-père. Tiens. Oui. Alors, ça. Il y a beaucoup de chances que ça soit. Que ça soit dans le vrai, là. Que ça soit dans le vrai, oui. Alors, il y a d'autres qui font d'autres. Parce que à l'époque, le grand-père là, était l'unique au monde à faire le Chistera. Unique. Hein. Les Espagnols venaient donc chercher les gars d'Espagne, en carriole. Vous savez, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Ils venaient, ils s'étaient intéressés donc à cet objet. Et ils venaient en carriole et ils passaient 2-3 jours en attendant les Chistera. Avant qu'elles soient finies. Oui, là où est l'hôtel de la rue maintenant. Oh. Ça s'appelait la maison d'Ocarré. Ocarré, ça veut dire panier, quoi, corbeille, chistera. La maison d'Ocarré, il habitait là, et il se logeait là, les Espagnols, en attendant les chistera. Et alors, le père de mon arrière-grand-père faisait des chistera aussi avec. Les deux frères faisaient des chistera. Des chistera. Il avait eu des démêlés avec sa femme, ça peut arriver. Hein. Oui, même à l'époque. Et le divorce existait déjà, bien sûr, mais c'est quelque chose de terrible. De terrible, surtout pour les catholiques. Il avait émigré en Espagne, à Fontarabie. Mm-hmm. Et là, il avait commencé à faire des chistera. Et j'ai un livre, là, en espagnol, où il est fait mention de ce Lacara, là, qui faisait des chistera et que. Olazabal, moi j'ai connu le fils à celui-là, qui est mort très vieux déjà, il est mort dans les 90 ans. Et son père à lui, gamin, qui avait commencé à apprendre à faire des chistera. C'est de là que l'Espagne a appris à faire des chistera et qui se fournit elle-même, quoi, maintenant. Vous n'avez pas peur quand même que ce métier qui est si beau et magnifique, je pense, se transforme un jour en production beaucoup plus grande, usine.
Non, non, petite manufacture. Non, je souhaite que ça reste artisanal. Ils ont tout essayé. Je le souhaite. Jusqu'à maintenant. Mais je crois qu'il n'y a pas envie d'en parler. Non, mais nous, on est très modestes. Hein. On travaille, c'est plus petit. L'autre aussi, celui d'Anglette. Oui, mais comment vous dites, vous n'êtes que deux quand même. C'est bon. Quand même... Alors, les Espagnols, quand même, sont beaucoup plus nombreux. Ils sont au moins 8 à faire des schistères. À faire des schistères. Oui. Mais alors, avec des ouvriers. Mais. Mais de la même façon que nous, hein. Absolument de la même façon. Disons que la base, l'origine vient toujours de la même façon. Les Espagnols ont le marché américain. Oui, je comprends. Et il leur faut beaucoup de schistères. Hein. Parce qu'un joueur qui doit avoir un contrat en Amérique doit avoir beaucoup de schistères, au départ une vingtaine de schistères au moins. Hein. Chacun. 22 schistères chacun. Je crois, oui. Avoir le contrat, c'est énorme. Et là, ils ont un marché formidable. Quoi. Et puis, ça paye. Hein. Et puis, ça paye. Voilà. Ça paye terriblement parce que le joueur lui-même surenchérit pour les avoir. Ils ne peuvent pas les avoir. Ils font un certain délai. Donc, ils ont lancé le truc en plastique. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que le truc en plastique peut se faire intéressant? Absolument pas. Ça a été catastrophique. C'est catastrophique. Ça a été catastrophique. Ils ont donc un fabricant espagnol qui a lancé donc le truc en plastique. D'abord tout en plastique. Hein. Oui. Catastrophique. Au bout de 4-5 balles, ça éclate en morceaux. Hein. Bon, après, il a voulu faire. En bois, ça en bois, le montant en bois, les côtes jusque-là en bois, puis après coller le plastique. Le plastique pour la peine. Le tissage en plastique, vous savez, dans un. Même le tissage en plastique. Plastique, c'est catastrophique aussi. Ils ont donné 4 ou 5 schistères à chacun, on a un peu les deux. Pour faire des essais. Pour faire des essais, bon, ils ont tout laissé tomber. Donc ça fait que même les Espagnols, qui ont un très grand marché, travaillent comme nous. Mais les conditions du personnel ne sont pas les mêmes. Premièrement, ils n'ont pas de TVA. Oui, c'est sûr, il y a tout à fait la même chose que... Deuxièmement, le personnel, vous savez, il n'est pas contrôlé comme ici, hein, loin de là. Et bon, ce qui fait qu'ils font beaucoup de schistéra. En plus gros, en plus ils débitent beaucoup plus, voilà. Mais aussi cher, si ce n'est plus cher que nous. Hein. Ah oui. Ah, maintenant, oui. C'est-à-dire peut-être qu'ils profitent de ça parce qu'ils ont justement un grand marché. Peut-être. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre. Oui, mais la vie a beaucoup augmenté aussi en Espagne. Et puis, ils ont un très grand marché et ils en profitent. Oui, alors on fin tout le bois. Hein, parce qu'on suit le fil du bois pour que ça soit très résistant. Par exemple, si c'était fait à une scie, si c'était fait... Oui. Par exemple, même à la dégauchisseuse, un rabot, quoi. Mm-hmm. Le fil serait coupé, mais ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, une pistère. Il faut suivre juste le fil du bois. Le fil du bois. Oui. Donc vous arrivez à faire des trucs très fins, ça, hein. Oui, je vais vous montrer. Il n'y a que le châtaignier qui peut supporter un truc comme ça. Oui, quand même. Le fil est beaucoup plus droit que dans les autres bois. Dans les autres bois, et c'est léger, très léger. Bon, maintenant, je vais vous passer ça à la plane. Et vous allez voir si c'est mince, quoi. Ah, ça, c'est mince, déjà. Et combien vous faut de morceaux comme ça pour faire un schistera? Bon, pour les adultes, il en faut 11. 11, hein? 13. 13 pour les adultes. Excusez-moi. Oui. 13 pour les adultes, 11 pour les juniors, et les enfants aussi, 11, oui. 11, 10, 11, quoi. 11, oui, il faut un nom même père. Ah, il faut toujours un nom même père? Un nom même père, oui. Ah bon? Oui. Bon, pour les adultes, 13, hein? Ils ont tous 13, hein? Mm-hmm. Et puis pour les enfants de 15 ans, enfin on appelle junior. Oui, les juniors, hein. 11. Et les gains, je crois, se calculent par numéro, entre 54, 56, 58, du côté espagnol, oui, enfin, c'est comme ça, non? Oui, mais pour les sesta punta, hein. Ah, pour les sesta punta. Les sesta punta. Mais pas 55, 56, hein. Non. 62, 63, oui. Jusqu'à 68, hein. Ah bon, c'est entre 60 et 68. Oui, voilà. Mm-hmm. Oui. 62, ça commence pour les adultes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, 63. Et ces chiffres-là
Ça veut dire que le yokogari, le quotidien, si vous voulez, est très précis. Il faut 56 cm pour les adultes en numéro 2. Hein, et 57,5 en numéro 1. C'est très précis pour le yokogari. D'ailleurs, le nom y est aussi, yokogari. Yokogari, c'est le jeu pur. Le pur, oui. Bon. J'ai l'impression que le coup de couteau, il a... vous avez l'habitude, hein? Oui, à force. Et vous avez toujours fait ça? Moi, j'ai toujours fait ça. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé avec mes parents. Toujours continué. Avant, on commençait très jeune à travailler. Ouais, c'est pas maintenant. Moi-même, j'ai commencé à 14 ans. J'ai dû toujours faire ça à la maison. J'avais commencé à faire ça à l'âge de 10 ans. J'avais perdu mon père quand j'avais 10 ans. Hein. Oh là là, ok. Et donc, je m'étais mis avec ma mère. Parce qu'il faut, quand même... Bon, j'avais pas beaucoup de force encore à 10 ans, mais enfin... Une femme ne peut pas faire ça, quoi. Le travail du foie, une femme ne peut pas le faire. C'est quand même beau quand même de voir ça, même à 10 ans, vous avez quand même... Vous avez fait ça, je... par soutien de votre mère, ou vous avez quand même... Ah oui, oui, on était quand même, cinq enfants. Et... Ouais. Vous étiez peut-être l'aîné. J'étais l'aîné. Elle restait veuve. Ouais, il fallait se débrouiller. Et vous avez fait ça par force? Vous auriez aimé faire autre chose dans votre vie, ou vous avez fait ça avec plaisir? Non, non. Non, j'ai eu le choix. Hein. J'ai eu les choix pour faire autre chose. Hein. Vous avez eu le choix quand même. J'aurais pu faire autre chose. Oui, n'importe quoi, mais faire autre chose. Non, mais j'étais prioritaire sur autre chose. Hein, mais enfin, bon, c'est la tradition. La tradition. La tradition de la famille. Et puis bon, j'aime ça, on aime ça. Hein. Ouais, ouais. Et vos frères ou sœurs, si vous en avez... Mais le frère avait commencé avec moi. Il est beaucoup plus jeune que moi. Il a il avait travaillé quelques temps, puis... Non, non, il est dans la fonction publique. Il est mieux que moi. Mais enfin, je vous félicite quand même de faire des travaux qui sont quand même assez rares. Là, on va faire... vous allez voir... là, avec la plane, comment on va faire. La plane, oui, très bien. On suit. Il nous faut la plane là maintenant. Attends, donne-moi la plane, la petite plane. Hein. Ah, c'est un genre de rameau, si j'ai compris. Hein. Mais c'est un rameau pour la rameau. Ça va aussi vite que le rameau, hein, avec la différence qu'avec ça, on peut faire gros ici, mince ici, tandis que le rameau, c'est... C'est toujours au même niveau, oui. Ça, c'est des outils très connus, hein. Très connus, mais avant, maintenant, c'est tout avec les rabots, mais comme il faut beaucoup plus épais ici qu'ici, il faut très bien se bouger. Ça soit très ferme au gros, souffle, et beaucoup plus large ici en début. Beaucoup plus épais, oui. Beaucoup plus épais, hein. Comment on appelle ça, cet outil-là? La plane, la plane. Ah oui. En basse, oui. Aussi. Aussi, oui, c'est ça, oui, aussi. Alors, il y en a de plus gros derrière la... Oui, oui, bien sûr, il y a des... Des différents... Aussia, comme on dit, oui. Plus gros. Avec ça, on fait beaucoup plus... Enfin, on fait des morceaux... C'est surtout, je me sers de ça pour faire des formes, quoi. Oui, oui, le gros, quoi, disons. Et regardez si c'est mince. Mm-hmm. Ah oui, il y a un rapprochement, là. Oui. En effet, c'est vraiment très 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 fin. C'est un bon travail. Il y a, disons, peut-être ici la poussière de 1 mm, même pas. Ah non, il n'y a pas 1 mm. Il n'y a pas 1 mm. Même pas? Non. Et sur vous, nous avons. Ici, nous avons. Il n'y a pas 1 mm. Donc, vous voyez, en bas, c'est beaucoup plus épais que. Ici, c'est beaucoup plus épais. J'ai remarqué ça, oui. C'est beaucoup plus fin ici. C'est bon. Bon, maintenant, je vais faire le tissage. Je vais monter le tissage. Faut avoir le coup de main, hein, quand même. Oh là là. Ah, oui. Si on appuie un peu trop fort, paf, on coupe tout. Hein. Ah oui, oui. Là, c'est...
C'est vraiment calculé, hein. Bravo. Bravo. Voilà. On va faire le tissage maintenant. Bon, vous allez pouvoir amener avec vous un morceau si vous voulez. Il y en a un morceau aussi. Pas aussi. Là, je fais le tissage. C'est le tissage. Le tissage, mais c'est pas un pressage. Hein. C'est un tissage. C'est un tissage. Hein. C'est comme. C'est comme si on faisait du canevas, pour l'instant. Oui, oui. Comment vous calculez la grandeur? Le petit gain, il a tous la même grandeur ou ils ont... Le normal, parce que la plupart des joueurs ont des numéros 2. La plupart des joueurs, même professionnels, oui. Après. Ah oui. Et un numéro 2, ça fait 56 cm. Ça, c'est 56 cm. Le Yoko Verbi, c'est ça. Ça ne bouge pas. Non. Il y en a quelques-uns qui ont, pas beaucoup, mais il y en a qui ont le numéro 1. Et le numéro 1 est un peu plus grand, 1 cm demi. Ça, c'est sûr, par rapport à la main, qui est beaucoup plus grand. Non, pas du tout, non. Pas du tout, ils sont... C'est surtout les arrières, mettons, qui ont... Oui, qui ont besoin un peu plus mais, fort, un peu plus d'élan, oui. Pour amener. Oui. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu plus grands. Hein. Et c'est très intéressant, tout ça. Hein. C'est très intéressant. Et alors là, c'est quoi, ça, que vous avez, là? C'est du... Mais ça, c'est de l'osier. Ah, de l'osier, vous m'avez dit avant, oui. De l'osier. Et vous le coupez, c'est vous-même qui le coupez ça ou vous l'achetez? Non, l'osier, on le fait... Enfin, on va le chercher en Espagne. Ah bon. Alors là, comment il faisait votre grand-père à l'époque? Bon, mais il n'avait pas d'osier là, comme ça. Nous-mêmes, le grand-père devait faire pareil, mais enfin, je ne l'ai pas vu travailler, mon arrière-grand-père, mais il devait faire pareil. Nous-mêmes, on a travaillé l'osier. Hein. Ah oui. On l'a mené par grain. Un brin d'osier, enfin, ça veut dire le brin, c'est comme la grosseur d'un bic. D'un bic, et alors, elle a eu travaillé aussi, ma femme, là. C'est un petit outil, on le fendait en quatre, en haut, et puis... Ça va aller après tout seul, oui. Peut-être, tu crois que t'es là, hein. Oui, c'est assez facile, mais c'est long. C'est long, oui, bien sûr. Et est-ce que là, vous le trouvez tout près, maintenant, c'est beaucoup? Oui, dégrossi, quand même. Dégrossi. Très dégrossi. Oui. Dégrossi, oui. Parce que je m'aperçois, là, vous passez avec une petite machine, là. Et je pense que c'est un régalisé, là, je pense. C'est un régulateur. Un régulateur, voilà. Qui régalise, oui, parce que au bout, c'est plus étroit que quand on le fait ici, quoi. Ouais. L'osier, on le travaille de plus en plus large. De plus en plus large vers le fond, oui. Oui, très peu, mais enfin... Vous renforcez peut-être un petit peu cette base ici, là où la pelote rentre. Non. C'est tous au même niveau. C'est calculé quand je passe à la plane, là, alors c'est plus mince ici et plus épais là. Oui. Plus épais là, oui. Très peu, mais ça suffit. Pourquoi vous mettez ce fil rouge d'un côté et vous mettez rien de l'autre? Ah oui. Ah, c'est pour le départ, ça. C'est pour tenir les... Le départ de... C'est pour tenir les fers, vous voyez, il y a des fers là. Ils font la carcasse. Donc je ne peux pas les faire tenir comme ça par un chantement. Il faut que je les fixe avec, avec du fil, quoi, qu'il soit rouge ou qu'il soit... Alors de l'autre côté, quand je fais la carcasse, je le prends avec l'osier. Avec l'osier en même temps, ce fil-là. C'est pas la peine de faire des deux côtés comme ça. Ça évite de faire des deux côtés. Alors vous devez aller comme ça, tresser tout le long, tisser, tout le long jusqu'au bout, bien sûr. Et le gistard, ça va finir après ça? Ah ben il y a le cuir à poser. Oui, le cuir à poser, c'est ma femme, vous devez l'avoir vu ce matin, ça c'est le travail de madame. Oui. C'est très bien. Et vous devez attendre quelque temps avant de jouer à la pelote? Non, pas du tout. Il est prêt, une heure après. Une heure après. C'est quand même bien, oui. Mais c'est très long, hein. C'est très long, je m'aperçois que vous avez quand même le coup de même pour passer tout ça. Alors vous le tassez, vous le tirez, bien sûr. Le maximum, tous les deux ou trois rangs, je pense. Non, tous les rangs. Hein. Ah, tous les rangs, il faut quand même... Sinon, bien sûr, il va se passer... On le déformerait. Hein. On le déformerait, oui, c'est ça. En somme, c'est presque un travail de couturière, ça. Oui. Oui. C'est formidable. Bon, on va laisser le tissage pour vous expliquer le plus, là. Oui. La forme de Gistera. Ok, je viens, oui. Ça, c'est toute origine de Gistera. On me l'a offert, ça.
Il vient du Mexique, celui-là. Tiens. Ou d'Argentine. Hein? D'Argentine. C'est en cuir, c'est du cuir. Ah, c'est tout du cuir. Hein? C'est tout. Oui, mais il est très très vieux. Il a plus de 200 ans, celui-là. 200 ans. Oui, celui-là, oui. Bon, la mer a été refaite plusieurs fois, hein, parce que le cuir, ça grille. Hein, ça grille, oui. Avec la sueur. La sueur, oui, oui. Bon, ça a été fait, on le voit à la machine. Bon, celui-là est assez récent. Mais ça, c'est fait, vous voyez, comme ça avant, vous voyez, comme les cordonniers. Comme les cordonniers, oui, la tienne. Bon, alors c'est très très ancien, hein, vous voyez. Et tout est en cuir, hein, c'est du cuir. Tout du cuir, oui. Bon, c'est de ça que mon arrière-grand-père a voulu imiter la première chistera. La première chistera. Oui. Vous voyez, s'il est ancien, celui-là, on voit la trace de la balle encore. En effet, c'est vrai. Oh, oui. Ça. Oui. On voit la trace de la balle. Oui. Alors, il n'avait pas d'argent pour donc s'acheter un truc comme ça. Un truc comme ça, oui. Tout le monde jouait à ça. Il n'y avait pas d'autre sport. Tout le monde jouait à ça. Disons que c'était la première chistera qui, si on veut dire... Alors, lui, il a fait quelque chose en bois qui lui ressemblait, quoi. Il en a fait pour son frère. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, son frère s'est installé, après le mariage, s'est installé à Fondarabie pour faire des chisteras. Et c'est là que les Espagnols ont appris avec lui faire des chisteras. Bon. Et vous avez plus de détails de ce matin. De ce matin, oui. Tout à l'heure, oui. Bon. Alors, je pense que pendant beaucoup d'années, il n'y a eu que cette forme, hein, cette chisteras. Qui n'était pas plus grande. Bon, pas... alors, de plus en plus grand. De plus en plus grand, c'est les joueurs qui ont évolué sur cette forme. Cette forme, vous comprenez. Oui. Et on en est revenu au Yoko Garbi. Au Yoko Garbi qui est d'aujourd'hui. Oui. Ça, c'est d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui. En fait, déjà, d'aujourd'hui, il y a 120 ans. Mais on reconnaît déjà des Yoko Garbi il y a 50 ans, on en a vu, hein, des Yoko Garbi qui étaient à 50 ans. Mais qui sont, on les reconnaît, hein, on les reconnaît, qui sont très vieux parce qu'ils ne sont pas grands. Ils sont larges, vous voyez. Ils sont larges, disons, à la base sidérienne. Oui, et ils sont... On les reconnaît, l'évolution, vous voyez, l'évolution. Oui, oui, oui. Et puis après, donc, on est venu, hein, voilà, une chistera terminée, un Yoko Garbi, quoi. C'est pas... C'est plutôt pareil, maintenant. Non, en fait. Alors ça, c'est une chistera de Yoko Garbi. Yoko Garbi, on appelle, pour simplifier, on appelle petit gars. Le petit gars, parce qu'après, je vais vous montrer le grand gars, hein. Oui, oui, oui. Bon. Alors voilà l'évolution et la différence. Mais quand même, c'est cette évolution. C'est l'évolution, non. Pas du tout, non. Il y a 140 et quelques années d'évolution. De différence entre les deux. Entre les deux, voilà. Mais ça, c'est l'origine de toutes les autres chisteras. Hein. Voilà. À la base, disons que la nouvelle de votre grand-père, disons, c'était ça qu'il avait créé. Alors, après ça, est venu le grand gars. Voilà, c'est Chiquito de Cambo qui avait lancé le grand gars. Et c'est lui qui avait pensé à faire un truc un peu plus creux comme ça, Chiquito de Cambo. Oui. Ah, je ne sais pas si c'est lui ou bien quelqu'un qui l'a conseillé. Voilà. La différence des trois chisteras, l'origine, plus creusé, le Yoko Garbi, et puis le dérivé de Yoko Garbi a été le grand gars. Voilà. On peut les voir même surtout. Oui. Est-ce que tu peux raconter comme ça, puis sans la différence qui est là, monsieur, plus creusé. Ou alors après, il y a une quinzaine, 15 à 18 ans, nous on ne connaissait pas le Cesta Punta. C'est tout nouveau, le Cesta Punta. 15-18 ans, à peu près. C'est tout ou pas? Oui, non. Ici en France, mais en Espagne, non. Hein. En Espagne, ils jouent à ça. Ils ne jouent qu'à ça, hein, en Espagne. À Cesta Punta. Au Petit Gain, il y a 3 ou 4 villages qui jouent encore. Mais ils jouent tous, en Amérique aussi, ils jouent tous à Cesta Punta. À Cesta Punta, c'est ce qui est connu. Le Rayalay qu'on appelle, c'est... C'est les frontons espagnols. C'est les frontons espagnols, Rayalay. Oui. Bon, alors, je vais vous montrer le Cesta Punta. Voilà. Un Cesta Punta, c'est ça. Voilà, Cesta Punta. Alors, où c'est qu'on en est là? Voyons les différences. Parce que... Bon, alors, nous avons les. Bon, disons que je crois que tout le monde va se rappeler. Tout le monde va se rappeler de. Je vais prendre ces deux. Oui. Prenez ces deux. Voilà. Et bien voilà, l'évolution est là. Donc, l'évolution est là. Voilà. L'évolution est là. L'origine, le Yoko Garbi qui vient après, le Grand Gang qui vient après, et le Cesta Punta. Et le Cesta Punta. Et quelle différence y a-t-il quelle différence y a-t-il entre les deux? Voilà. Entre le Cesta Punta et le Grand Gang. Voilà. Parce que finalement, la poche est beaucoup plus accentuée au Cesta Punta qu'au Granga. Et plus cassé. Oui, peut-être plus. Oui. Hein? Il est patiné, donc. Celui-là était. Il sera patiné. Il a servi aussi, bien sûr. Ah oui. Celui-là, on a joué. Celui-là, il est neuf, il n'a jamais été. Oui, il n'a jamais servi. Mais ça, bon, il sera comme ça dans 7-8 ans. Oui. 10 ans. Il faut peut-être faire une dizaine d'années. Et ça peut durer combien de temps, un bon chistera pour un. Un joueur de pelote qui joue, disons... C'est très variable, hein. C'est très variable. Oh, c'est très variable.
parce qu'il y a des joueurs où ils ont la réception très dure. Et donc ils la font glisser. Voilà, absolument. Alors c'est pas le même, c'est pas les mêmes dégâts. Hein. C'est pas les mêmes dégâts, voilà. Il y a des casseurs et puis il y a des... aussi, il peut y avoir des accidents. Il peut tomber et puis casser le montant. Là, alors c'est foutu, c'est fini. C'est fini. Dès que le montant est cassé, c'est fini. On oublie... On le met en décoration. On le répare un peu, mais c'est pas ça. Ce ne sera jamais plus comme avant, quoi. Mais voilà, c'est très, très intéressant tout ça. J'en apprends moi-même, qui suis du pays ici. J'en apprends beaucoup. Alors voilà, j'ai quand même le plaisir d'avoir un Schistera qui a 200 ans, s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose. Celui-là, oui. Mais on le met un peu en hauteur. Parce que quand les enfants, les groupes d'enfants qui viennent, ils sortent, c'est une pièce de musée. C'est une pièce de musée, c'est sûr. Mais vous savez qu'on y est bien là-dedans. J'ai essayé, oui. Très bien là-dedans. C'est vrai. Peut-être que le cuir est même plus dur ou c'est peut-être l'âge qui l'a rendu dur. Ah, peut-être l'âge aussi. L'âge, parce que je me rencontre avec les autres. Oui, peut-être. Mais je ne sais pas. Peut-être que c'était comme ça aussi. C'était peut-être que le cuir était. Je ne sais pas, oui. Alors on l'a sur le poignet. On l'a sur le poignet. Je ne sais pas si j'ai des lits ici. C'est des lits, oui. Enfin, avec des lits rouges ou bleus, verts, c'est un genre de corps que l'on visse comme ça. Et comment il faisait pour attacher ça finalement? Parce qu'il l'attachait juste comme ça. Oui, je vais vous montrer. Juste que comme ça. Parce que dans le nouveau que nous avons, hein, c'est un bois. Il y a des petits morceaux de bois qui passent de chaque côté. Oui, parce que c'est pour tenir tous les montants et tous les trucs, mais là, comme c'est rigide, donc voilà. Ah, ça tient bien, oui. Et il faut le serrer très fort, ça, sans doute. Hein. Et voilà. Et c'est tout, sans plus. Ah oui, il va pas partir. Hein, là. Non, il va pas partir, hein, c'est sûr. Non. Bon, je fais grosso modo. Oui, grosso modo, oui, bien sûr. Et en fait, c'est pour donner une idée quand même. Voilà. Aux gens qui vont voir, et là, il s'échappe. Ah non, il s'échappe. La porte, elle peut rentrer, paf, elle va. Même si je me jette de force, elle ne va pas. Il ne sort pas, hein. Non, alors bien sûr, c'est vraiment bien. Voilà. C'est bien fait. C'est intéressant. Alors voilà. 200 years old, 200 ans. C'est quand même une pièce de musée, monsieur Rocky. Ouais. Je pense que c'est formidable. Mais ça a été changé plusieurs fois. Hein. Oui, je comprends. On le voit. Parce qu'avec la sueur, bien sûr, avec la sueur, tout ça. On grille, même à cela. Au bout de deux ans, le cuir est grillé. Il faut le cuir est grillé à la sueur. Il y en a qui sont envoyés. Voilà des trucs qu'on a changés. Quoi. Ils sont grillés. Hein. Ils sont carrément brûlés. Oui. Ah oui, en effet. Alors, il faut changer de temps en temps. Oui. Mais c'est vrai. Je pense que c'est une pièce de musée, là. Je ne sais pas comment vous avez attaché ça. S'il vous plaît, donnez-moi un petit coup de main. Mais c'est une pièce de musée, comme vous dites, il vaudrait mieux pour la garder bien de côté, et ça peut valoir des sous. C'est pas une histoire de sous, mais c'est surtout une histoire de... C'est surtout une histoire de souvenirs, bien sûr, de l'époque et tout. Ici. C'est un jeu, là, c'est vraiment formidable. Hein. En effet. Eh bien, bravo. Vous allez continuer longtemps comme ça jusqu'à la retraite? Quand c'est que vous prenez la retraite? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Jamais sans doute. Jamais sans doute. Comme tout bon artisan de notre pays, même de beaucoup d'autres pays, bien sûr. Je ne sais pas. Mais c'est formidable. Voilà. Après, on voulait se retirer un jour, mais après, on ne sait pas quand. Hein. Il va falloir un jour. Ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que si vous venez à San Francisco, bien sûr, vous serez le bienvenu. Qui sait, on ne sait jamais. Hein, et j'espère, je souhaite de tout mon cœur, c'est la madame, n'est-ce pas? Oui. Et vous serez bienvenu. Pilotari, soineko tantxuri xuri, geriko zurdintagori euskaldunen ezaugarri. Benetako kirolari, zuzaitugu pilotari. Ezkerreta eskubia, sendoak eta garbia, begia berritzargia, tanolako hankabia. Bizkorrago bezerbia, ezkerreta eskubia.
Barruan eta aurean, beti arrastan lurrean, uste gabe bazterean edo berdin zabalean, botez ez bada airean, atzea eta aurean. Berri zer ezkerra aire, lurreti bueltatu papi, txoko hautsi.